timing est respecté.
Thank you, President. I think you have eloquently this explained vous avez bien and answered the et répondu question that à la question up. Qui avait été posée. I will say a few things. One, je vais dire une ou deux choses. I think it is la première, focus on il faudrait qu'on se concentre sur les domaines de compétences. On entend faiblement le président. Est-ce que le micro peut être encore un peu plus... Voilà, c'est mieux maintenant. Nos pays ont différents niveaux de compétences, bien entendu. Mais nous tous, nous devons continuer à travailler pour s'assurer que nous développons nos compétences. In our case, dans notre cas, where we have come from, d'où on vient, we came from actually a very low base. Nous venons and, de très loin et we are where we are, but still nous avons atteint forcément un certain more, niveau, mais il faut qu'on puisse continuer à travailler getting skilled en améliorant nos compétences manpower, au fur et à mesure, en formant de la ressource humaine. En travaillant en collaboration avec les pays voisins, avec les pays qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une Afrique plus forte, une Afrique qui aura de la compétence, qui n'aura pas besoin d'aller chercher la compétence ailleurs, en dehors du continent. Je pense que... Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça la coopération dont il s'agit, et il faudrait que le Bénin puisse... On puisse partager ce qu'on a déjà acquis comme expérience avec le Bénin. Et nous espérons même plus d'eux, hein, venant d'eux également. C'est un échange, c'est cela la coopération. Et sur cette base, nous allons échanger des compétences sur différents secteurs. Hein. Et comme vous le savez déjà, vous ne pouvez pas brûler les étapes, hein. C'est un processus. Et ce que nous entreprenons de faire avec le Bénin, c'est d'améliorer les relations et on va suivre le processus de manière progressive. Et nous allons effectivement assurer une coopération dans différents types de secteurs, comme nous l'avons déjà bien décrit. Et c'est très important et très utile à la fois. Nous avons la chance d'avoir quelques représentants de notre pays qui échangent avec certains, avec le gouvernement. Et nous attendons, en tout cas nous sommes prêts en tout cas à travailler main dans la main avec le Bénin, avec nos frères et nos sœurs, et même étendre les compétences, améliorer les compétences de part et d'autre. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, bien sûr, nous allons aller étape par étape. Il y aura des échanges, il y aura des allers-retours hein, entre nos deux pays dans différents types de secteurs. Donc je ne vois aucun problème à cela. En fait, je recommande que le président Talon qui a cette vision, cette grande vision, on n'a pas besoin de chercher des compétences en dehors de notre continent. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fier de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président Talon. Il faut qu'on commence à chercher les compétences dans nos pays voisins, comme le président l'a dit si bien tout à l'heure. Comme vous le savez aussi, notre jeunesse a beaucoup de compétences, a beaucoup de talents. Il faut connaître cette jeunesse-là à construire
à se construire. Et cette jeunesse, auparavant, même travaillait sur différents continents et même dans des pays qui sont déjà développés. Et c'était quelque chose qui était triste. C'était la réalité, même dans mon pays aussi. Travailler dans des pays qui sont déjà développés, c'est aberrant, un peu à la limite. Alors, c'est pour dire, aujourd'hui nous envoyons quelques cas en ce qui concerne notre pays, mais nous avons fait beaucoup d'avancées en ce qui concerne cette question. Et donc, lorsque nous parlons de nos deux pays, le Bénin et le Rwanda, nous sommes sûrs que nous avons la même vision et nous devons travailler encore plus pour pouvoir promouvoir les échanges au niveau de cette coopération et atteindre le niveau de ces pays développés-là en comptant sur nous-mêmes, en comptant sur notre propre force. Nous nous sommes entendus, nous avons des accords que nous partageons déjà. Nous allons échanger des informations, nous allons partager beaucoup de choses ensemble dans ces différents secteurs et les compétences également seront partagées. Merci.